Mohamed Ali, tout comme Mike Tyson, est une légende de la boxe anglaise. Il est né en 1942 à Louisville, aux USA, sous le nom de Cassius Clay. Il a décidé de changer de nom en 1965 après sa conversion à l'islam. Bien avant d'être champion du monde, Ali se proclamait déjà être le plus grand, the greatest. À 18 ans en 1960, Ali devient champion olympique des poids mi-lourds à Rome. Dès les années 70, il devient le premier triple champion du monde poids lourd en s'imposant contre des pointures de la boxe comme George Foreman ou Frazier. Il domina la catégorie poids lourd de 1964 à 1978. Ali a révolutionné la catégorie poids lourd avec des déplacements et des esquives limpides qui étaient généralement pratiquées par des boxeurs de catégories plus légères. On peut imaginer son style de boxe rien qu'avec sa citation « vole comme un papillon et pique comme une guêpe ». Il a d'ailleurs créé un pas de boxe qui s'appelle le shuffle qui consiste à changer de garde extrêmement rapidement en quelques secondes afin de déconcentrer son adversaire pour mieux le surprendre. En 1999, il est couronné sportif du 20e siècle juste devant la légende du foot Pelé. Il finit sa carrière avec 56 victoires dont 37 par KO sur 61 combats disputés. Plus qu'un sportif, Ali a pris des décisions importantes qui ont résonné dans le monde entier, comme son refus de rejoindre l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam car il disait que les Viet Cong ne lui avaient rien fait de personnel. Un fan d'Ali a acheté les gants qu'il portait pour son premier titre mondial contre Liston pour la somme de 836 000 $. Dire que Ali lui avait touché 630 000 $ pour sa victoire en 1965. Il nous a malheureusement quitté le 3 juin 2016 à cause de la maladie de Parkinson, mais aura laissé une empreinte à vie sur le monde de la boxe. Poem about your show, two seconds. All right. I love your show and I like your style.